Bonjour ou rebonjour à tous ceux qui sont encore sur le Twitch. Nous sommes donc maintenant de retour pour continuer le défi d'endurance sur Pokémon Donjon Mystère. Il nous manque encore beaucoup de Pokémon légendaires à recruter, peut-être pas tant que ça, mais maintenant on va pouvoir passer à aux trois chiens légendaires qui sont Suicune, Entei et Raikou. Chacun a son propre donjon, donc ça devrait être assez simple, j'espère, vu qu'ils ont chacun 40 étages, quand même, à se farcir. Alors ils ont intérêt d'être assez gentils dans le recrutement. Espérant que je n'oublie rien aussi. Contrairement aux trois golems qui nous a fallu 4 parties pour les avoir, dont un qui lui a fallu juste un épisode de 10 minutes, je le rappelle. Il avait envie d'avoir son épisode rien qu'à lui, il a eu de 10 minutes, voilà. Donc, continuons tout de suite les défis. Et je dis Entei si j'ai envie, sinon je dis Entai. Et c'est tout aussi dégueulasse. Alors. Déjà, faut que je vérifie si j'ai bien tout. Par exemple, le lieu de recrutement. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'est consulter. Est-ce que je peux recruter Entei, Raikou et Suicune? Ils sont où ces idiots? Ils sont pas là? Ils sont là. Ouais, c'est bon, j'ai acheté les terres sacrées. Ok. Donc, je vais demander à mon expert Lefona, est-ce que j'ai besoin d'autre chose que de la terre promise des trois Gugus là? Est-ce qu'il y a besoin d'un item spécial ou quoi? Est-ce que j'ai besoin de la plume de diaphragme, même si je l'ai tout le temps sur moi, je pense. Bon, vider l'inventaire. La musique, ah oui la musique, à chaque fois je l'oublie sur Pokémon, dire que j'ai envie de vous protéger les oreilles apparemment, inconsciemment. Musifon, on n'en a plus besoin. Les citrus, les pommes on va les garder, sans garde, sans vire et sans vire. J'ai le ruban ami donc ça va. Comme c'est du niveau 40, j'ai peut-être besoin de d'emporter quelqu'un avec moi pour être sûr. Ah si, les faunas, j'aurais besoin que tu me dises combien comment dire mesure les chiens légendaires, à combien de place ils prennent dans l'équipe. Est-ce que je peux prendre des personnes avec moi? Poser ma thune, pas envie de la perdre. Parce que oui, je le rappelle, pour recruter des Pokémon, il faut de la place dans son équipe. Et la place est limitée à 6 étoiles. Et en fonction du poids du Pokémon et de la place qu'il prend, il y en a qui prennent les 6, 5 places, quoi. Donc on peut prendre personne avec nous. Par exemple, Groudon. On va rendre visite à Groudon, ce fameux Groudon. Combien de place il prend, lui? Voilà, 4, 4 étoiles en taille. Donc, je le prends avec moi et après, je peux prendre qu'un Pokémon au pif qui fait une étoile dans le niveau, quoi. Voilà, faudrait que je y aille qu'avec Groudon. Et encore. Pas sûr. Donc, les Pokémon... donc Entei, Raikou et Suicune, ils prennent chacun 3 étoiles. Ok. Donc je peux prendre quelqu'un avec moi quoi. On va prendre Tiflosion, mon ami de toujours, il est où? Non mais de toute façon Groudon il est mauvais, je sais plus combien par rapport à Tiflosion. Enfin, prendre Typhlosion avec moi, ce sera plus simple.
si je sais ce que je veux. Je vais prendre des nettoyeurs orbes au cas où je tombe sur des petites orbes qui s'amusent à faire hey, hey lol, tu peux plus utiliser ton ruban ami. Alors nettoyeurs orbes. Est-ce qu'il m'en reste surtout? Oui, il m'en reste. Parfait. Par contre là ça risque d'être violent. Hein. Si il me faut la surf, c'est ça. Je peux pas aller sur les îles des trois chiens légendaires sans la cesse surf qui est là. Normalement on est prêt, on est chaud, on a tout. On va sauvegarder, au cas où. Alors par contre que je me souvienne, je me souviens plus des noms des donjons. Si, je crois que c'est les terres de feu, les terres de foudre et les terres blizzard. Ouais, ouais, on va voir ça. Oui, j'ai leur zone de recrutement, c'est ce que j'ai vérifié en premier. Donc c'est bon. Donc techniquement, c'est les terres. Ok, donc on va commencer avec les terres de feu. Avec, comment il s'appelle? Chef de feu, c'est Entei ou Entei. Hein, je vais sauvegarder, donc je peux pas quitter... Aïe. Ça risque d'être chaud, si je meurs, je perds mon ruban ami, je l'ai dans l'os. Il faut que je prie, quoi. Tiens, Goupix. Alors, hop, migraine, de la thune. Pomme, c'est toujours 7 de prix ou pas. Parfait, j'ai trouvé les escaliers et lui il a trouvé des mobs. Ok. Ça va, il leur éclate la gueule. Bon, lui aussi il va se faire éclater la gueule s'il fuit pas. Ouais, je fais des roues de feu dans les flammes. Par terre maintenant. Et le Goupix au cul qui arrête pas me taper. Et il me fait un lance-flamme et j'ai mal. Noursaring, tu sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et il est mort. Je me rappelle que je ne peux pas regarder les liens quand je suis en train de jouer. Tiens, il a été bloqué. Choc mental. Moi je m'en fous Entei, je suis un Pokémon de haut. Je vais dans les terres de feu, mais je lui baisse la gueule à Entei, moi je lui baisse la gueule. Bien profond. Non, il s'enfuit pas devant moi. Jamais il s'enfuit. J'ai des ropigraines, je peux lui balancer des ropigraines, mais attends, il peut pas fuir normalement. Déjà qu'il a 0,1% de chance d'être recruté si en plus il fuit. Le mec il fuit endormi quoi, il est somnambule en plus. Ok, très bien.
Wow, doucement. Ah, c'est ça, j'ai oublié de prendre un max élixir. Ça risque d'être drôle. Surtout si je tombe sur des cases. Hey, on t'enlève des PP. Moonwalk. Et... Oh là là, j'ai mal. Faut vraiment qu'il soit gentil là, parce que j'ai les 40 étages, on va les sentir passer. J'arrive, Typhlosion. Ou pas. Ouais, ça la mèche. Et attaque au lieu de faire les gros yeux. Voilà. Bah ouais, cette explosion là. Ah, ouais. Non. Eh, dors, Salamèche. Ok, tu auras ton choc mental, très bien. Ah bon, ils peuvent esquiver les pièges dans les prochains? Mais c'est génial! Encore heureux, putain. C'est un peu la merde pour les esquiver les pièges. Allez, tais-toi. Nope. Ça, ils étaient juste au-dessus de la première salle depuis le début. C'est pas vrai ça. T'es confus, voilà. Ok. Ouais, un quart du donjon. Ouh. On a gaspillé tous mes chocs mentaux là. Ça va bien de tomber sur un max élixir là. Ce serait sympa. Surtout, ne pas oublier le ruban ami après ces 40 étages. Qu'est-ce que t'as fait, Typhlosion? T'as qu'un pyrolien endormi, t'avais raison. Wow! À la chaîne, quoi.
Ah bah il y avait métamorphes dans l'eau, très bien. Les métamorphes se sont perdus dans les terres de feu. Allez savoir pourquoi. Le Pyroli se transforme en Voltali, j'ai l'impression quand on le tape. Sa queue surtout. Une pomme, mais je m'en fous des... Ça va. Si c'est une Béoran, ça va. Ça commence, les pièges à la glu, là. Et non, ça marche pas les explosions avec moi. M'en fous de la thune. Je m'en fous que ta défense elle augmente. Un bâton, ouais, 6 bâtons carrément. Il y a des pyrolis partout dans ce donjon là. Allez, casse-toi. Ah là là. Non, vous m'avez pas vu les pyrolis, c'est pas vrai, je ne suis pas là. Il s'appelle celui-là déjà, Camerupt. Il est camé. Oh oh oh. T'es mauvais Salamèche, t'es mauvais. Pas foutu d'esquiver un piège quoi. De la thune, c'est génial. Je veux des escaliers. C'est tout ce que je veux. Tu vois pas qu'elle a... Elle semble à feu. Pourquoi tu tires avec du feu encore? Pas vrai ça. Moi je suis teubé. Je suis un Salamèche et je suis teubé. Et toi, à quoi tu joues? Je m'amuse à gangbang un furisson. Voilà. Allez, on arrive à la moitié déjà, c'est cool. Choc manteau, très bien. Attaquer les grincements et les combos griffes. On gardait quand même quelques-uns pour le boss, mais... Joseph, j'ai des pommes. Oh, un échappe-orbe. J'en ai besoin d'un. Bravo à Typhlosion qui passe niveau 43. Maintenant je dois me retaper le chemin inverse. C'est génial. Wow, boum. Ouais, tout le monde est confus. Tout le monde prend de la boue dans la gueule. Ah non.
Ok. Je pensais que le conflit était fini. Ce fut violent pour Typhlosion, il a pas compris ce qui lui arrivait, mais ça va. Ça va Typhlosion. Viens, mange. Ah. Le plus bête là. J'ai dit là. Ah ouais ça. Non ok arène. Ils étaient là depuis le début. Putain, je suis à l'étage 18. Parfait, ils sont juste là. Juste manger un coup. Pétrigraine. La moitié. Ouh. Bâton. C'est à toi. Roche, très bien. Des escaliers, encore très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. Allez, tout le monde est ralenti, po. Oh non, pas entrave. Comme par hasard. T'as fini, oui. Bon allez, faut vraiment que je prie pour un max élixir, parce que là sinon je suis un peu foutu. Je suis un peu dans le caca, oui. Oui. Allez, voilà, tu t'es mort, tu te casses. Voilà. C'était qu'un match chopper toi. Tu vas me faire peur. Hein. Et non, ça c'est la mèche de... Ouais, Montaigne Outre. Ouh. Lui, si je le ramène à la maison, il va faire une évolution rapide. Lance-flamme. La planche de flamèche. Pas d'explosion avec moi, j'ai dit. Jamais des explosions. Pas chez Michael Bay. Galifeu, tu vas mourir. Tu es mort. Je sais même pas ce que ça fait. Ah, ça commence à ralentir le rythme là. Ça allait plus vite tout à l'heure. C'était bien quand les escaliers étaient à chaque fois qu'on est arrivé dans l'étage. Ok, demi-tour, il y a un qui m'attend. Du coup. Non, même pas, il s'est barré. Très bien. Mettez-moi plein de pièges d'explosion.
C'est très très bien les pièges d'explosion. Ça marche jamais avec moi. C'est très utile. Ah tiens, suffit de te plaindre pour qu'elle soit juste à côté. J'ai pas capté des étendues de flammes là comme ça. Ok, alors ça c'est quoi? Les bandes, très bien. Pourquoi tu l'attaques? Pourquoi? Le taper. Explosion, il veut taper, c'est tout ce qu'il veut faire. Ouh, ras du grain, oui. J'ai pas une graine, bah voilà, parfait. Hop. Allez, les escaliers, oui, très bien. Très très bien. Encore très très bien. Ça commence à aller un peu plus vite. S'il vous plaît, faites que je ne tombe pas sur une maison de monstres, c'est tout ce que je demande. De toute façon, je vais être obligé de lui taper dessus. Voilà. Aux élèves de la fin, j'ai des pommes. Ouais, ça permet de varier le donjon, ça permet surtout aussi que je meure dans le donjon, hein, les maisons de monstres. Objet pomme devient inutilisable. Très bien. Oh, une pierre feu, cool. Banana zinc, on va le lancer, ça. Sol, prendre la pierre de feu, oui, je veux les pierres de feu, moi. Ouais, mais les copains que je me fais dans la... Ah, niveau 30. Ah, d'accord, je crois que c'était 40. Bon, bah c'est 30. Tant mieux. Et j'ai oublié d'équiper le ruban ami. J'ai pas d'entrave. Tiens, mange. Voilà. Ah, il faut que je dise aux autres de se barrer aussi. Ils vont le tuer à ma place. Sauf qu'il peut. Ok, très bien. Maintenant. Tiens! Comment ça t'es plus pétrifié? Wow! Ah. Eh ? Ah ouais, t'étais comme ça, très bien. Bien sûr, faut pas qu'il me rejoigne, bien sûr. Ah, bon. Non, c'était pas du beau travail, non, pas du tout. Bon, au moins... Je sais maintenant que c'est que 30 étages.
40, ça doit être pour OO en fait, j'ai dû me planter. Ah oui, j'ai recruté un salamèche, c'est vrai. C'est pas ma plus grande fierté, mais bon. Bon, cette fois, j'oublie pas les max élixirs. Elle serait bien qu'au moins là pour le deuxième essai, tu viennes, Entei, hein? Tac, 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 tac. Pire feu, oui, on la laisse. Surf en garde, des amants, hein, on vient, hein, ça, on... Bien. Maintenant, je vais retirer un max elixir. Il est où? S'il m'en reste déjà. Il m'en reste, ça va. Alors, donner le ruban ardeur. Je crois que je pourrais y aller tout seul en fait dans le donjon, hein, parce que au final ils ont pas été très utiles les autres, hein. Ils me font pas si mal que ça dans le donjon, c'est faisable tout seul. Direction de nouveau les terres de feu. On va faire dans l'ordre, hein, terre de feu, terre de foudre et terre de glace. Terre de blizzard, c'était, oui. Ce sera très bien. Nope. Je suis poursuivi par un lit magma, que j'ai peur. Toi tu me fais chier. Tu te casses, voilà. Non, j'ai dit tu te casses, ça veut pas dire tu me rejoins. Mais bon, pareil ça. Ok, vous l'avez cherché. On va s'y attendre, que je m'endorme. Allez, réveille-toi. Il a tué son pote, voilà. C'est même pas son pote. Allez, réveille-toi, vite. Il va se tuer en me tapant avec des béliers. Non, ça va, bon, même. Qui est tué avec un choc mental. J'ai dit j'allais le tuer. Voilà. Oh, mais il me troll en plus. Ah non, c'est calcium. C'est, ils ont le même skin, les max PP, enfin les max elixir et les calcium. De suite le ruban ami. On va le garder. Jusqu'à la fin. Il suffit juste que mon nettoyeur ne se finisse pas englué. Sinon ça va être le troll absolu. Les oursaringues protègent des pommes, il faut le savoir. Rebondor. Maintenant que je vais être tout seul, je vais me taper une maison de monstre, je sens.
Mais non, le temps il change pas avec moi. Dommage. Et Magby qui va crever s'il s'approche trop de moi. Tourne la barre. Yes. Non. Très bien, vous avez gagné. Allez hop. Chacun son tour. Out. Là c'est le donjon des pièges. Magby. Je sais même plus si j'ai un Magby déjà. Bon tant pis. Ok. Il y avait que dalle. Et là, il n'y a que de la thune. Ouais, c'est génial. Cet étage 8. On fout, je me barre. Voilà. Un tiers, et non pas un quart. Allez, venez à la chaîne, c'est chacun son tour. Il y a un métamorphe qui se trimballe par ici. Je déteste ces pièges. Génial. C'est de l'autre côté. C'était là depuis le début. Joseph, tu es ralenti. Il n'aura pas le temps de m'attaquer. J'en ai des chocs manteaux. Ah bah voilà, celui que je disais, j'en ai plus. Très bien. Et c'était là depuis le début. C'est le métamorphe à tous les coups. Voilà. La spirobe, je sais toujours pas ce que ça fait. Piège.
T'es mort ça encore? Non, ça c'est un vrai. Un vrai qui fuit. Cache dans un coin. Et si tu es tout seul, c'est encore meilleur. Ça va. Verrouillé, c'est pas supprimé. Et on arrive bientôt à la moitié. Espérant que l'autre me tue pas ou qu'il vienne me rejoindre. Allez, ils ont tous donné le mot, c'est pas possible. On dit, hey, y'a un connard qui vient nous emmerder dans notre donjon, on va lui péter la gueule. C'est parti. Et vu qu'on se fait chier, bah ça va nous occuper un peu. Faudrait que je prenne une Typhlosion en fait ici. Ça je pourrais un peu gruger le niveau. Allez, tu peux le taper. Quoi là-haut? Une orbe. Une écrasorbe. Et c'était à droite. Pop, pop, pop. Orbe, je veux l'échappe-orbe. Bon, rebond d'orbe, qu'est-ce que ça fait? Dans le statut mini-réponse au lanceur, les dégâts des capacités de se revenir à envoyer. Ok. C'est un peu pourri, mais pas trop en fait. Ça augmente un ça balance un voal quoi sur nous. Oh purée, grincement. Bon, ça va que mes congo-griffes ils font mal tout seul, mais... Qu'est-ce que je fais, mon pu? Je m'en fous, j'ai un truc d'élixir. Pas plus mal. Ça va. Toujours pas le nettoyeur là, qui se fait toucher. Ouh purée. Voilà, ils ont envie de m'avoiner là dans ce donjon. Ils ont vraiment envie. Allez, tais-toi. Le donjon de la muerte. J'ai pas d'autres mots. Et il était là depuis le début. Tant, tant. Et j'ai faim. Et il me reste, je vais manger une morviture. Non. Et encore une. M'en fous, les escaliers sont là. Non mais t'as mort, je t'ai déjà. Un peu plus loin les escaliers. Chouïa plus loin. Un vrai chouïa plus loin.
pas peur du feu, moi. Je suis un ouf dans ma tête. Oh, allez, quoi. Faut que je m'endorme juste devant les escaliers. Ça va, c'est un verrou. Allez, on arrive aux deux tiers. Bon, je me casse, hein. Dire qu'il me manque encore après plein de légendaires. Encore heureux, c'est pas les Pokémon qui sont les plus chiants à recruter. C'est plutôt le donjon qui est chiant à faire. Eh ben, t'as demandé toi. Eh ben, pas crever toi non plus. Par contre, tu as creux direct. Peur du feu, j'ai dit, moi. Je suis un ouf. Allez, plus que 9 étages. Ouh, ouh, ouh. Il va nous faire... LOL, nope. Pas d'explosion, j'ai dit. Hé, hey, tu t'es tapé 30 étages pour venir me voir et pourquoi tu me recrutes? Eh ben, moi, je te dis non. Niveau puissance des pieds palmés, t'as vu. Balayage, ça. Oh, mais ils vont se calmer là, ils viennent tous à la chaîne. Ok, j'ai compris. Allez, venez chacun votre tour. Et savoir ce que ça fait d'avoir mal. Oh, allez. Hein? Aïe aïe aïe. Prions ensemble pour que Entei soit des nôtres. Allez, à quoi quoi, réveille-toi. Oh putain, il m'en veut. Je descends juste en bas et j'avais les escaliers. Pas peur de tes gros yeux. Allez, ils servent à rien ceux-là. Hmm.
Non. Ça, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est très très bon, par contre. Ça aussi, c'est très très bien. Eh bien, Nachak vient. Oh, une nettoyeur, oui, je veux. Ça, j'économise le mien. Allez, on y arrive bientôt. Ça, c'est mauvais signe par contre. Et l'armée qui arrive là, des galifeux. On se regarde à vous. On se lance des bâtons. Bam, t'es mort, non? Pas grave, maintenant t'es mort. Oh, c'est mauvais. Je vais lancer un truc à travers un... Ah ben non, ça marche pas. C'est juste. Allez, fais dodo, réveille-toi. Voilà. Moi je promets ça va être drôle, les étages à 80... Allez, les deux étages, les donjons à 99 étages. D'ailleurs, celui-là de Lugia et celui-là de Jirachi ou c'est les billes, je sais plus. Ils sont sympas pour les derniers étages. Allez, Entei, Entei. Mewtwo aussi, c'est 99 étages. Eh ben. Normalement que je l'ai mis avec Mew. Oh, une pierre feu, mais c'est génial. Oh, il a cramé le bandana, c'est triste. On va prendre un pire feu. Alors, cette fois on s'équipe. Données, ruban ami, tac. Objet. Il est où? Il est là. Ok, et là, pam. Un piège juste à côté qui enlève les PP. Dans l'os. Ok, ok, j'ai le ruban, j'ai récupéré les PP. C'est parti. Et là, bam, je meurs. Allez, Entei, tu peux bien me rejoindre. Si. Je rejoins. Il y en a plein qui m'ont rejoint, on est une belle famille. Beaucoup de Pokémon, je vous laisse pour... pas pourrir. Vous amusez dans vos lieux. En fait, vous me servez à rien, mais bon. Ah d'accord, il me consomme 2 PP à chaque fois que je lui balance une attaque. Ah ouais, quand même. Ça rigole pas avec lui. Oh, saleté.
Bon, de toute façon, ça m'étonnerait qu'en un quart d'heure, j'arrive à retaper les 30 étages du truc. Donc, je pense qu'on va rester là pour cette première partie. Il y aura eu personne de recruté, mais bon, pour les golems légendaires, c'était pareil, donc bon. Ils vont être chiants à recruter, c'est moi qui vous le dis. Je me demande vraiment si on va continuer ce défi d'endurance ou si on va pas faire une pause avec un autre défi d'endurance. Parce que là, ça commence vraiment à être beaucoup trop endurant comme défi. J'ai au moins eu un salamèche, oui, c'est ça, c'est bien de le dire, les faunas. Je vais de suite le faire évoluer d'ailleurs après, dès que j'aurai fini la vidéo. Donc que dire, à la prochaine pour un défi d'endurance ou un autre défi. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous sur Twitter, la chaîne YouTube elle est toute nouvelle, elle est toute magique parce qu'on a le droit, on n'a pas le droit de choisir ce qu'on veut. Alors maintenant YouTube, oblige les nouvelles chaînes YouTube. Alors maintenant vous avez la nouvelle chaîne YouTube qui est disponible avec toutes les playlists bien rangées comme il faut. Donc vous avez aussi le site des Waves Avengers, vous avez Twitter, abonnez-vous sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, inscrivez-vous sur le site pour poster les commentaires, tout, vous pouvez savoir aussi que je fais des créations audio, des émissions radio. Vous avez tout à votre disposition, donc j'espère que vous les regarderez. Ça me fera plaisir déjà que quelqu'un écoute ce que je fais et regarde ce que je fais, comme ce que je suis en train de faire là. Donc à la prochaine et ciao!